Namas, Namas était présent. C'est quoi, une heure que t'es là devant, c'est long, il y a des musiques, genre des violons. Bon, messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que le dessert est arrivé. Voilà, là on parle. Bon, est-ce que tu l'as cramé celui-là? Non, j'ai fait hyper attention, vous allez voir, c'est croquant et c'est fondant. Ah ouais. Enfin, visuellement, t'es pas encore prêt pour Top Chef, mais c'est un début. Oh, écoute pas, bah, il a l'air très bon, ouais. Merci. Et du coup, qu'est-ce que j'ai raté là? Non, mais c'est Bad qui nous racontait son film d'hier soir et. C'était à chier! Un film d'auteur avec de l'inceste, des plans super longs, ça s'arrêtait jamais. Enfer. Et tu l'as regardé jusqu'au bout? Oh, bah ouais. Il y avait une actrice principale. Elle avait une paire de loches, mon pote. T'es obligé de rester jusqu'à la fin pour l'avoir à poil, mais ça vaut le coup. Le petit cadeau de la fin, j'appelle ça. T'étais vraiment obligé? Oh putain, ça va. Ah, tu vas pas recommencer. Non, mais est-ce que vous savez que beaucoup d'actrices boivent de l'alcool juste avant de tourner des scènes de nu? Juste pour donner du courage, hein. Les pauvres. Et vous trouvez ça normal? Non. Non. T'imagines ce que c'est que se foutre à poil devant toute une équipe technique? Et je pense pas qu'elles font ça juste pour que tu les mates comme un porc, tu vois. Mais ça va, et si elle voulait pas le faire, elle avait qu'à refuser le rôle. Voilà. Et puis bon, vu le film de merde que c'était, moi j'estime que c'était une bonne grosse paire de compensation. Bah vas-y, montre-moi ton téton. Non, non, soulève ton t-shirt. Quoi? Bah soulève ton t-shirt et montre-moi ton téton, je vais le filmer. Ok. Bon bah moi je vais fumer. Qui veut du café? Je vais aller chercher ça, mais d'abord Baptiste doit nous montrer son téton. Et pourquoi? Ben, imagine que je suis réalisateur et t'es comédien. Édouard et Cédric, c'est des techniciens, et on a besoin de donner un côté sexy au film. Pour ça, faut que tu nous montres ton téton. Non mais allez Baptiste, c'est bon, on est entre nous, de quoi t'as peur? Et puis c'est rien pour un mec, non? Mais j'ai pas envie, puis tu vas en faire quoi de ta vidéo là? Ouais, je sais pas, la mettre sur Insta. Non mais allez Baptiste. Puis tu fais du sport en ce moment, t'as pas un peu envie de nous montrer tes résultats? Ça fait que 2 mois, puis je me laisse un peu aller en ce moment, donc... Tu sais qu'il est pas à l'aise avec son corps, t'es relou! Et moi, je le trouve très bien comme il est. Et puis faut voir ça comme un projet artistique. Et si tu le fais, je te donne... 57,50€. Laisse tomber, vieux. Viens, on passe au gazard. D'abord, Baptiste doit nous montrer son téton. Je crois qu'on a compris le message. Ouais, le dire, c'est une chose, le faire, c'en est... Il en a pas envie. Putain, Baptiste, je jure, on va pas y passer la soirée. Soit tu montres ton téton maintenant, soit tu dégages de chez moi et tu en mets plus jamais les pieds. Allez, vas-y, fais-le. Franchement, c'est pas grand-chose. On va pas s'embrouiller pour un téton, non? Mais oui, il a raison. Je te demande rien de compliqué, tu soulèves ton t-shirt et on n'en parle plus. Ouais, comme ça c'est bien. Ok. Montre-nous le deuxième maintenant. Vas-y, touche-la un peu. Ok, c'est bon, tu peux te rhabiller. Je suis vraiment désolé, Baptiste, mais tu comprends maintenant que se déshabiller devant une caméra, ben, c'est pas forcément agréable. Pas moi, celui-là. Bah dis donc, t'as un vrai bureau tabac ambulant, toi. Petit astro, petit keno, petit briquet. C'était plus les morpions, ton truc, non? Oh.
Bon, allez, les gars, est-ce qu'on se ferait pas un petit FIFA? Ah, ouais, ouais. Par contre, je prends le PSG. Hein. Ouais, le PSG, c'est pour les PD. Moi, je prends le Barça. T'abuses. Tu te rends compte que tu viens de dire un truc homophobe, là? Quoi, le Barça? Bon, allez, les gars, classique ou alternatif? Non, Cédric, je crois que t'as pas très bien compris. Laisse-moi t'expliquer. C'est moi. Putain, j'en peux plus. Emma, elle nous a fait fumer un truc. On a rigolé toute la soirée. Putain, c'était comment ton dîner? C'était sympa aussi, ouais. Oula. Ah, t'as encore cramé ton gâteau? Non, même pas cette fois. Ta lutte pour déconstruire ta masculinité. Ouais, c'est ça. J'ai pas encore trouvé la bonne méthode, tu vois, mais j'y travaille, là. Je vais prendre une douche, tu me rejoins? Ouais, j'arrive. Mais je vais rester encore 5 minutes ici, je pense que j'ai besoin de réfléchir.